Hey toi, j'ai un petit challenge, c'est de liker cette vidéo avec votre nez. Salut tout le monde, je m'appelle Doggy et aujourd'hui nous verrons les 5 moments les plus tristes sur Fortnite. Donc je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin car je suis sûr que vous allez l'adorer. Dans les deux dernières vidéos, j'ai vu que vous avez vraiment adoré les concours, donc j'ai décidé de remettre ça aujourd'hui. Pour participer, vous devez compter le nombre de chiens que je vais faire passer comme ça et commenter le nom de votre compte Epic Game. Quand vous avez terminé, vous pouvez commencer à regarder la vidéo. Bon visionnage à tous. Numéro 1, la grenade collante. Ici le joueur Laoulette M7 est en train de se battre avec un Ragnarok. Après l'avoir tué, il se retourne et voit un nomade du coin de l'œil. Il va vers le nomade et ce qui va se passer est déchirant. Un ennemi va surgir de nulle part et lancer une grenade collante sur Laoulette. Son sort est scellé, mais il ne voudra pas partir seul. Il va donc se rapprocher de son nouvel ami. Ils finiront par mourir ensemble et se retrouveront dans l'au-delà. Numéro 2, l'ami de Lille. Ici nous avons une autre scène déchirante. Deux amis se rencontrent, se quittent pour à nouveau se croiser. Malheureusement, ils auront en quelque sorte oublié leur rencontre, ce qui va laisser place à un des moments les plus tristes. Ils se croisent sur l'île de départ, ils vont alors danser. La partie commence, et ils vont tous les deux atterrir près de Salty Spring, dans la même maison détruite. La probabilité qu'ils puissent ainsi se retrouver est extrêmement faible, et pourtant ils se sépareront et se réuniront à nouveau, pensant que l'autre est mort. Puis quelque chose se produit, quelque chose de terrible. Je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse voir tout ça par vous-même. Hey buddy. Oh! Oh! Come here. Numéro 3, adieu, vieil ami. Honnêtement, j'essaie encore de retenir mes larmes. J'ai ma boîte de mouchoirs à côté de moi et vous pouvez entendre ma voix un peu triste, je pense. Mais ça continue de devenir de plus en plus triste au fur et à mesure que je regarde cette vidéo. On a deux utilisateurs qui vont devenir amis, exactement comme un coup de foudre entre les deux joueurs. Ils se sont instantanément liés ensemble. Ils vont évoluer ensemble durant la partie pour plus tard réaliser que le temps passe et que leur amitié aura touché à sa fin. Josh, the party.
Numéro 4, sortez ensemble. À chaque fois que j'y pense, j'ai la larme à l'œil. Je vous l'ai dit, les amis. J'ai ma boîte de mouchoirs juste à côté. Vous savez que j'ai pleuré, j'ai dû me moucher toutes ces choses à cause de ces vidéos tristes. Mais si vous n'avez pas de mouchoir ou rien pour vous essuyer l'œil, je vous recommande grandement de partir et d'aller chercher quelque chose. Trouver quelqu'un et ne plus vouloir le quitter est ce dont nous allons parler. Comme si lorsque quelqu'un mourait, l'autre aussi. Ils commencent à se connaître avant de se rapprocher pour devenir amis, pour finir par mourir ensemble, en tant qu'amis. Sachez-le, cette histoire est assez triste. Je vous le répète, si vous n'avez rien pour vous moucher, allez chercher quelque chose de suite. Numéro 5, Siferk. Ce streamer est l'un des streamers Fortnite les plus connus. Il a déjà joué avec Ninja, et plusieurs d'autres streamers d'ailleurs. Il a gagné son premier tournoi Fortnite Friday avec Nick Merck. C'est un monstre. Il fera une rencontre très triste. Voulant être son ami, celui-ci finit par prendre une mauvaise décision. Il n'a rien d'autre à dire à part que Cipher finit vraiment triste. On s'assoit là en se disant, pourquoi? Pourquoi a-t-il fait cela? La chose qu'a fait son ami est la pire chose possible. Ne faites jamais cela. Je n'ai vraiment plus d'autre chose à dire, je vous propose donc de regarder ce moment qui est le moment le plus triste sur Fortnite. Non, non, non! Voilà les gars, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et pas trop fait pleurer. Si c'est le cas, soyez sûr de vous être abonné et d'avoir aimé la vidéo, merci de l'avoir visionné et à la prochaine.